Ce soir, nous disons au revoir à cette vieille campagne. Ce soir, nous faisons nos bagages pour une vie de cocagne. Car demain, nous partons. Car demain, nous allons. Car demain, nous montons à Paris. Ce soir, les chemises sont pliées, les chaussettes vont par paires. Les jupes et les robes sont rangées comme toutes mes affaires. Car demain, nous partons. Car demain, nous allons. Car demain, nous montons à Paris. À Paris, où la vie sera moins triste. À Paris, où je serai artiste. Dans la ville de la mode et du glamour. Dans la capitale des arts et de l'amour. À Paris, où les filles sont si belles. À Paris, je serai plus jolie qu'elles. Où vont les chapeaux? Les chapeaux dans la boîte à chapeaux. La trousse de toilette. Tu es bête à côté des serviettes. Car demain, nous partons. Car demain, nous allons. Car demain, nous Max? Allons, Max. Du calme. François? François, réponds-moi, mon Dieu. Tu n'as rien? Arrête, François, tu me fais peur. Tu ne trouves pas ce film formidable? Moi, oui. J'ai eu tellement pitié du malheureux monstre à la fin. Pitié du malheureux monstre? Mais qu'est-ce que t'aurais voulu? Qu'il épouse la fille? Souvent, les monstres au cinéma ont un bon fond caché. Et à la fille, par amour, leur cœur est très attaché. Tiens, quelle étrange odeur dans l'air, comme de la viande brûlée. Peut-on parler d'amour quand il s'agit d'une grosse bête? Qui suis américain, le cinéma, ça je le connais bien. Je te taquine comme toujours, tes sentiments, je les connais. À toi Lisa, par amour, mon cœur est très attaché. Il y a des monstres, mais c'est fou, et ils en ont après nous. Que se passe-t-il? Pourquoi sont-ils là? Des monstres, ça n'existe pas. Ils mordent, ils nous mangent le cerveau, ils n'ont rien à faire dans notre monde si beau.
Mais ça n'existe qu'au cinéma, certainement pas dans le monde réel de la comédie musicale. Il y a des monstres de n'importe quoi, nous n'avons jamais vu ça. Et mon Dieu, je marche à la ça. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? She didn't stay here. Follow me to my underground laboratory. Mind your heads! Sorry, I can't offer a drink. All I have in the fridge is radioactive. Vous êtes un scientifique. I'm Professor George Quatermass. Expert in biochemical organisms and atomic and molecular radio synergism. Alors, vous savez peut-être d'où viennent ces créatures? Well, from space, I guess, but mostly from another reality. And I can assert that the giant monster is a Cnidaria encephalopodal, a cerebrovirus invertebrate. This is the sticky chili the creature introduces in their brain. And here you can see what happens when an electrical current goes through it. Bon, ça règle le problème des zombies. Mais pour le monstre. It seems obvious that we can't fight this creature in a musical. We will use my reality converter. But in order to transform the whole region, we must find a more powerful transmitter. Un émetteur, comme la station de radio? Precisely, my dear. Precisely. All right. My car is right there. Let's go. I should transform you too. You would be more efficient. Oh mon Dieu, j'espère que ça va marcher. Ne t'inquiète pas, il sait ce qu'il fait. Lisa, ne t'inquiète pas, je veillerai toujours sur toi. Penseras-tu à moi si te brûle entièrement les seins juste et au calciné? Te prendrai-je dans mes bras si t'es grasse comme un criquet? Sous ces tentacules géants, pourrais-je t'aimer, ton crâne rempli de pâté visqueux? James, non! Lisa, je serai là, tu pourras compter sur moi. Veilleras-tu sur moi là, t'es tout écrabouillé? Le corps décomposé, pourri plein de pustules, sous les mouches qui pullulent. Lisa, ne
t'inquiète pas. Professeur, faites vite! A few more seconds, hold on! James! James! Vite! Hold them back, I need to finish here! I'm almost down! That's what I was afraid of. No weapon can defeat it. Now I suppose the government will use the atomic bomb. The siren means that the plane already took off. We don't have much time left. So, what are we gonna do? Let's get out of here. No. Using the bomb would be a useless mistake. Thanks to the DNA fragment, found on crash site, I was able to perfect this radioactive serum. A real poison for it, but with no effect on us. I intend to inject my brain with it and offer it to the beast. Oh, my God! In truth, your idea is the best one. And I'd like to be injected with the serum, too. Oh, James! I have to. We need to increase our chances. This monster has to be stopped. All right. Then inject me with it too. Fantastic. My theory was correct. Doesn't suck their brains. They are not clever enough, so the monster destroys them. This is fascinating. I have to sacrifice myself. Go take cover. Oh my God. No! Run!
Run, Lisa. Run. Let's move. It's over. This creature wasn't meant for this world. Take me in your arms. T'inquiète pas, je veillerai toujours sur toi. À toi, mon...